Et bienvenue tout le monde, c'est XBSky, et aujourd'hui on se retrouve pour la suite aventure sur Plague Tale Requiem. Tu verras ça plus tard, reste concentré. Allez, quand faut pousser ma lucette. Allez Amicia, sors les biscottos, sors les biscottos. Bon, j'en ai marre, je veux cette arbalète là. J'en ai marre de la fronde. Alors, une étape de franchie. C'est quoi la suite? Ah. Lucas! Où es-tu? Mère! Lucas n'est pas avec vous? Non! On l'a perdu de vue! Comment? Qu'est-ce qu'il fabrique? À vue de nez, il fait des gaufres. Je devrais pouvoir revenir maintenant. Ça sert à quoi de faire ça? Ah oui, d'accord, on va devoir aller de l'autre côté. Mettre le truc dessus. Allez, tu peux le faire. C'est rien qu'une autre épine dans le pied. Sacrée épine quand même, hein. Viens ici, j'ai besoin de toi. Allez, dépêche-toi, ça sera moins galère qu'à l'épisode précédent, j'espère, en tout cas. Voilà. Ça devrait marcher. Lucas! Lucas est mort, fiston. Bien, trouver une île. Comment tu vas faire ça? Peut-être en demandant à Joseph. Discrètement. Ah là là. Du coup, on y va vraiment à Marseille ou alors ça va être la galère et on n'atteindra jamais Marseille. À l'aide! C'est pas vrai. Oh non, les hommes d'Arnaud! Ne touchez pas! Tu vises et tu tires, c'est simple. Recharge avec la manivelle. D'accord. Qu'est-ce que vous dites de ça? Est-ce que ça va? Je tremble comme une feuille. Merci. Il y a trop de rats. Je ne peux pas vous rejoindre. Amicia, dégage-lui un passage. Comment? Fixe de l'ignifère sur la pointe de tes carreaux. Vise un morceau de bois. Comme ça, il devrait continuer à brûler. Compris. Lucas, je te dirai quand la voie sera libre. Compris. Je commence à voir un chemin. C'est bon. Tu peux venir. Oui. Bravo. J'arrive. Est-ce que ça va? Oui. Mais mon sang n'a fait qu'un tour. Merci d'avoir visé juste. C'était les mêmes hommes que dans l'arène, Amicia. Que s'est-il passé dans l'arène? Qui est cet Arnaud? Ça, c'est un très gros problème pour vous. Faut partir. Voilà donc la célèbre fille à la fronde. Je vois que tu as de la ressource quand il s'agit de tuer mes hommes. Partons! Vite! Vas-y. Essaie! Ça sent pas bon! Qu'est-ce qui se passe? Remontez la fidèle! Vous leur avez fait quoi? Attention! Compris. La garde, Arnaud.
fait pour toi. Non! Que se passe-t-il? Joseph est mort! Ne sortez pas! Protégez Hugo! Quoi? N'approchez pas de ma famille! Ils arrivent! Reviennent! Je vous tuerai tous! Ils sont où? J'ai plus de flèches! Elles sont où les flèches? Ah, sérieux, il fallait se mettre devant. Montez sur ce bateau. N'approchez pas de ma famille. Je vous tuerai tous. Tous sur la ligne. Ils sont sur ma tente. Vous croyez avoir tous les droits, hein? Hey. Où est cet Arnaud? Qu'il vienne m'affronter! Oh merde! Merde, elle est où la bête? Je l'ai tué! Non, tu dois tenir bon. Occupe-toi de lui! C'était le dernier. J'espère! Oui, libérez le bateau. Coupez les cordes. Coupez les cordes. Ok. Allez! On peut pas avoir des flèches infinies d'ailleurs! Qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Non! Je suis là! Voyons comment tu te bats contre un guerrier en armée. Pourquoi tu fais? Je suis venu pour toi, à ta demande. Retourne aux cordes! Regarde-moi! Prise au dépourvu. Pour tuer, tu sais te dépouiller. Et après. Quand on tue, on doit être prêt à se faire tuer. Ça semble juste, non? Reste calme. Arrête de trembler. Ne laisse pas approcher. Oh, recule. Tu peux encore y arriver. Le bateau, oui. Tu admires la vue? Non, non. Allez au diable. Alors quoi? Je croyais que tu voulais mourir. C'est ça. Va rentrer dans un... Oh là là. Ça te ressemble bien. Je t'aurai quand même. T'es en sécurité. Pour l'instant. Respire. Oui, oui, t'as l'air très en sécurité, en effet. Ta famille, ça devrait la faire sortir. Non, salopard. Alors, faut fuir à Arnaud. Je dois atteindre le bateau avant lui. Dépêche-toi de bouger. Tu dois l'arrêter. Fais quelque chose. Yay! Passe comment, moi?
S'il y a rien, vous pouvez vous barrer, non? Ces salopards sont pas là. Eh merde, cours! Cours, Amicia, cours! Je suis trop loin! Si tu les touches! Ah, Hugo! Hugo! Plus vite! Stoppez-la! Reste où tu es! Oh! Alors on joue plus? Tu vas voir si je joue! Je sais pas où je vous tue. Il faut l'aider. Une dernière leçon. Si tu dois risquer ta vie, fais un peu mieux que ça. Hugo! Regardez ça. Voilà tes renforts. Mourir, hein? Non! Remontez! On n'a plus beaucoup de temps! Qu'est-ce que vous attendez? Amicia! Amicia! Qu'est-ce que tu fais? Amicia, pourquoi? J'ai une idée. Si nous prenions la mer, rien que toi et moi, allons trouver ton île. Ils savent pas naviguer en bateau. Hein? Maman et Lucas. T'en fais pas, Hugo. Je connais peu de gens aussi intelligents. Ça saigne encore? Oui, je crois qu'on ferait mieux de soigner ça avant que ça s'infecte. Il y a de l'eau là-bas. Oui. C'est ton île? Oui. On dirait des dents. C'est l'île aux deux dents. Tu sais, je crois que je l'ai vue. En peinture, au laboratoire de Vaudin. Alors elle existe vraiment? Je vais t'aider. Doucement, hein, d'accord? Oui. C'est bon. Déjà? Parfait. Merci. Tu es douée, tu sais. J'ai essayé de pas te faire mal. Et tu as réussi. Bon, venez, messieurs. Nous allons trouver votre île. Oui. Comment on va sur une île? En bateau. Une fois qu'on sait où elle est. Maman va être fâchée, tu crois? Elle ne va pas être contente, mais ne t'inquiète pas. Et tu crois?
crois que ces bandits, ils vont les suivre ? Non, ils sont en sécurité. Mais ils n'ont pas d'armes. Ils vont fuir ou se cacher, Hugo. Waouh ! Regarde ces belles fleurs. Oui. Allons, tu adores les fleurs. Mais et si leur bateau coule ? Hugo... Est-ce qu'ils savent nager ? Tout ira bien. Promis ? Oui. Attends, tu vois cet arbre ? Je suis sûre que je peux l'atteindre avant toi. Maintenant ? Pourquoi ? Parce que tu es une poule mouillée. Même pas vrai. Toi-même ! Montre-moi ça alors. 3, 2, 1... Hé ! Toi, t'es qu'un poulet ! Oh non ! Ça saigne encore. J'ai gagné ! Ça va passer. C'est pas drôle ! Désolée, mais si ! Tu t'es fait mal ? Non. Oh, regarde. Ça, c'est vraiment une belle plume. Elle est toute douce et toute bleue. Elle a dû tomber du nid qui est dans cet arbre, là-haut, tu vois ? Oh, oui. On cherchera d'autres nids et je suis sûre qu'on trouvera d'autres plumes. Oui. D'ici là, je ferai de toi un oiseau. Un chevalier oiseau. Tiens, ça me rappelle. J'ai trouvé de jolies fleurs quand j'étais avec Lucas. Tu les veux ? Je crois que je préfère les plumes maintenant. Ah, d'accord. C'était une belle course. Oui, c'est vrai. Ça te fait encore mal ? Non. Ce qui fait mal, c'est que je suis un poulet maintenant. Mais un gentil poulet. Trop aimable. La prochaine fois, je te laisse gagner. Oh non. La prochaine fois, je t'écraserai. Oh, tu entends ça ? C'est quoi ? Des chants. On dirait une messe. Il y a une église ici ? On va voir. Qu'est-ce que c'est ? Un marché ! Non, on est trop loin d'une ville. Mais les chants viennent de là. Ils savent peut-être où est l'île. Oui. On va demander. Bonjour. Est-ce qu'on peut vous aider ? Bonjour. Oui, nous cherchons notre chemin. Pourquoi ils chantent, les gens ? Oh, c'est l'heure de la messe. Nous sommes en pèlerinage, alors nous prions pour arriver à bon port. Oh, vous vous rendez à Rome ? Exactement. Et vous ? Où allez-vous ? Sur une île. On ne sait pas grand-chose à son sujet. Oh, notre meneur, Perreux, connaît bien la région. Il vous aidera. Vous le trouverez près des ruines. C'est lui qui dirige la messe. Mais vous devriez vous reposer à l'ombre. Vous avez l'air blessé. Oui. Merci. Merci. Je vous en prie. Pourquoi est-ce qu'ils vont à Rome ? Parce que l'année prochaine, c'est le jubilé. C'est une année très spéciale. Allons trouver ce Perreux. Attention, les enfants ! Doucement ! Salut, Loi ! Les anciens semblent tenir le rythme. Oui. Ils sont robustes, ceux-là. Oui, leur foi est forte. On va voir le pape à Rome ? Non, peut-être. Tu verras pas voir le pape. Si on a de la chance. Tu vas voir le pape... Des milliers tu des vas avoir une dilatation anale de 5 cm. Bonjour. Bonjour. Oh, bonjour. Bonjour. Voilà la messe. Est-ce que c'est Perreux dans le fond ? Chut ! Oui. Tu pourras le voir quand ce sera fini. Oh, pardon. Nous attendrons ici. Merci. Plus près de toi, Seigneur, protège ces humbles pèlerins durant leur saint voyage, car ils cherchent le salut au milieu des ténèbres et reçoivent les prières des plus faibles. Amen. 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 Vous pouvez y aller. Merci. Amen. Pardon ? Amen ne veut pas dire merci, tu sais. Ah. Allons lui parler. Bonjour. Ah, bonjour. Et bienvenue. Vous êtes nouveau ici. Oui. Et à vrai dire, nous sommes un peu perdus. Et où allez-vous ?
Pas à Rome, je présume. Non, on essaie de trouver une île. Elle a deux dents et il y a un oiseau et un petit lac et des fleurs. C'est probablement une île avec deux grandes montagnes. On nous a dit que vous pourriez nous aider à la trouver. Je n'ai qu'un vague souvenir, mais j'ai une vieille carte de la mer Méditerranée quelque part. Vous voulez jeter un œil ? Oui, merci. Ce serait parfait. Bonne journée. Qu'est-ce qui se passe ? Nous cherchons un garçon et une fille. La fille a tué plusieurs soldats. Elle est armée et dangereuse. Sur ordre du comte Victor d'Arles, nous allons fouiller ce camp. Je vois la culpabilité dans tes yeux. Mais quoi que tu aies fait, je ne livrerai pas un enfant. Suivez-moi. Il faut vous faire sortir du camp. Suivez-moi. Essayez de passer inaperçu. Qu'est-ce qui se passe ? Faites place ! Sortez de vos tentes ! Il cherche quelqu'un. Coopérez et vous aurez rien à craindre. Pitié, ne nous faites pas de mal. Nous n'avons rien fait. De nouveau venus derrière, attention. Des intrus ? Des gens arrivent tous les jours ici, vous savez. Ils vont tout raconter. Non, mais j'espère que vous vous rachèterez. J'essaierai. Nous sommes tous jugés un jour. Doucement, il y en a d'autres. Deux enfants, une fille et un petit garçon. Je ne sais pas. On est tellement nombreux. Alors réfléchis. Hé, faites attention. Reculez. Non. On a un problème. Cachez-vous sous la charrette avant d'être vu. Je m'occupe d'eux. Allez, Amicia. Je sais. Chut. Excusez-moi. Qu'est-ce qu'il y a ? Avez-vous parlé à ce groupe là-bas ? Certains nous ont rejoints récemment. Il ne ressemble pas vraiment à vos fugitifs, mais qui sait ? C'est mieux que rien. Allons voir ça. Vous avez entendu ? Soyez sur vos gardes et ouvrez l'œil. Bonne idée. On peut y aller, Amicia ? Pas encore. Attends son signal. Hé, hey, vous ! Moi ? Depuis quand faites-vous partie de cette procession ? La voie est libre. Venez, calmement. Allons-y. Vous trouverez un chemin vers la mer de l'autre côté de l'enclos. Nous vous devons beaucoup. Merci. Soyez prudents. Allez, il faut qu'on se dépêche de partir. J'espère qu'ils auront pas de problème. Tant qu'ils ne nous trouvent pas, personne n'aura de problème. Partons loin d'ici. J'aurais pu prendre un cheval, en vrai. Oh non, vite. Ils sont là. Cours, Hugo, droit devant. D'où ils m'ont vu ? Ouh, ça va faire mal. Amicia ! Lève-toi, on doit partir. Oui, oui. Oh, ça tourne. Ta main. Tu saignes encore ? Oh, Seigneur. Amicia ! Tu es là ! On doit partir ! Oui, il faut qu'on avance. Où on est ? On dirait une carrière. On va là-dedans ! Il fait tout noir ! Je ne sais pas s'il y a un autre chemin. Les gars, on tourne ! Allons à l'intérieur. On ne doit pas rester à découvert. On a toujours le temps pour crafter. Ah, j'ai amélioré l'arbalète, ça me plaît ça. C'est bien mieux. Là, j'ai même pas regardé, y'a moyen de crafter des carreaux, non ? Amicia peut pas prendre un bout de bois, du métal ? Je sais pas. Tiens bien ma main. Tu as vraiment tué des soldats ? Oui, j'ai perdu la tête. Tu me l'avais pas dit. J'avais trop honte. Allez, reste concentré. C'est pas comme si on en avait déjà tué la blinde au dernier jeu, hein. Il y a des gens. Je n'entends rien. Comment tu le sais ? Je les sens. Je pense que c'est les rats. Je peux essayer de me concentrer.
T'es sûr de toi ? Oui, ne t'en fais pas. D'accord, sois prudent. Oui, je les vois. Ils sont là, des soldats. Attends, comment ? Les rats, ils sentent le sang des gens. Moi aussi, maintenant. C'est comme un bruit, ou un écho. Alors, ils sont où ? Pas loin, ils approchent. Je peux le refaire si tu veux. D'accord, allons-y, prudemment. Ouvrez-la, les soldats ! Ils sont piégés ici ! Ils ne peuvent plus fuir ! Où sont les mineurs ? Cette mine n'est pas abandonnée, si ? Oh, commence pas avec tes fichues superstitions ! C'est le capitaine qui devrait craindre. Cette gamine la plus énervée que 1000 Anglais réunis. Ah là là, on va passer en full discret. Oh merde. Oh merde. Tourne-toi. Ah ça va, il faut une ronde basique. Je crois. Attendre que le gars à droite se barre. Oh. Voilà, bouge. Parfait. Bon, rien à secouer, je vais pas chercher les ressources. Une porte, là-haut. Dites-moi que c'est la bonne. Ta tête saigne toujours. Ça va. Les rats, Hugo. On doit s'en inquiéter. Est-ce qu'ils arrivent ? Non. Ils sont loin, pour l'instant. Concentre-toi bien sur eux. Cette fille, elle a tué des soldats aguerris. J'en vois d'autres. Tu t'en sors bien. Ils n'utilisent pas les femmes ou les enfants. Ils sont là aussi. Comment on va sortir de là ? Elle est possédée. Il faudra brûler son corps. Va au diable. Un qui m'a spoté. Et moi l'assassiner lui, non ? Jamais il y a. Hey, tu te sens bien ? Ah, je peux même pas récupérer mon carreau d'arbalète, quoi. Oh, il y a un coffre là-bas, fais chier. Et techniquement, ce gars là-bas, je peux le tuer, hein. Je crois que t'avais pas de casque. Sortie. Où est la sortie ? Silence. Oh. Il faut aller plus vite. Oui, avant qu'il nous voie. Merde, lui, il a un casque. On va retourner. Père Noël. Ah putain, il va pas casser les couilles hein. Discrétion. Là, une trappe. Ouvre.
attendre, Amicia. Non, ils nous trouveraient. On doit atteindre ce bâtiment. C'est une église? Je sais pas, mais on est trop visible. Allons à l'intérieur, c'est peut-être plus sûr. Fouillez par ici, fouillez partout, trouvez la sorcière. Ils abandonnent jamais. Oh, ce sont des bouchers. Tu en as tué beaucoup dans la ville rouge? Plus que j'aurais dû. Ah, mon Dieu, quelle galère. Je suppose qu'il va pas se retourner, ce connard. Ah, pour d'abord, cool. Pourquoi on peut pas y crafter les carreaux d'arbalète, sérieux? On va y arriver. Oui, et tu te reposeras. Regarde en haut. Tourne-toi. Allez. Je vais pas gaspiller des ressources juste pour que tu te retournes. N'oubliez pas, le comte d'Arles veut débarrasser ses terres de la vermine. Il a tué nos frères. Elle sera exécutée ici. Et il est où, notre bâtiment? Ces terres sont ravagées par la peste. Ah, faut que le gros il chier. Ok, un peu plus avancé, quoique si je vais sur là. Il y avait un carreau d'arbalète de l'autre côté, mais c'est pas grave. Oh non, 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 c'est personne. Des intrus! Par ici! Bon sang! Des intrus! Avec moi! Ta gueule. Putain, ils ont des flèches et tout, je peux pas les prendre. Bon, l'avantage c'est qu'ils ont été que deux à être alertés. Donc on va dire lucky en soi. Pas d'y avoir de garde ici. Il est pas plus mal. On y est presque, Amicia. Silence. Allez, dis-moi qu'il y a un truc sympa ici. Te plaît des flèches. Ah, que dalle. Oh merde. Alors lui c'est mort, on pourra jamais le tuer. Est-ce que je dois aller par en bas ou par en haut? Allez le gars, tourne-toi, ouais, ouais. Bien, j'en garde. Je jure, si je trouve un carreau d'arbalète, je te le réserve. Eh ben non, hein. Oh merde. Allez, bouge! Et maintenant il va faire le tour ici, voilà. Allez, c'est bien. Fais ta petite ronde à la con là. Et après j'arrive derrière et je te bang bang bang! Je les sens.
Ah, Hugo, t'étais très utile hein, dans Réplecter l'innocence. Maintenant, c'est un petit peu moins. Hein. Allez. Je suis pas là. Je suis invisible. Oh, on y est. Mais... Oh, pardonne-moi. Je me sens mal, Hugo. Tu te reposeras à l'intérieur. Rien à faire. On trouvera une autre porte. Moi, je vous propose qu'on sorte d'ici au prochain épisode. Allez, sur ce, je vous laisse. Prenez soin de vous, prenez soin de rock'n'roll. N'oubliez pas d'avoir la attitude. Comme d'habitude, je vous que je sens vous que c'est le dicton. Je vous laisse. Je vous fais un poteau partout et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao, bye, petit. Et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Peace.